l'ère des plateformeurs 3D est de retour d'entre les morts. Oui, elle n'est jamais vraiment morte. Mais depuis le milieu des années 2000, un creux s'est formé. Une brèche remplie de jeux similaires et réalistes avec des flingues et des gros hommes musclés qui combattent pour le salut de leur planète ou de leur pays. Peu à peu, les jeux colorés et amusants ont trouvé refuge chez Nintendo et Sega, qui ont poussé le genre du platformer plus loin qu'il n'a jamais été. Malgré quelques titres intéressants dans cette mer de FPS, l'horizon était flou pour les jeux de plateforme qui ont dominé le jeu vidéo depuis les années 90. Mais venu 2017, le genre du platformer 3D a été ravivé par des jeux comme A Hat in Time et Yooka-Laylee. Mais tout ça, on s'en fout! On est là pour parler de vitesse! Eh oui, un jeu inspiré de Sonic fait son entrée sur Kickstarter avec une démo gratuite sur Steam. Vous pouvez aller la tester sur le champ. Après cette vidéo, hein, on est d'accord. Bon, entrons dans le vif du sujet. Rolling Rascal est un jeu développé par Curiomatic, un studio indépendant qui a déjà une certaine expérience avec les jeux de plateforme à grande vitesse étant donné qu'ils ont déjà développé le fan game Sonic GT, ou du moins l'un de leurs développeurs a participé. J'ai pas vraiment trouvé si c'était l'exact même studio ou pas. Niveau histoire, je sais pas vraiment ce qu'il en est, la démo ne révèle rien. En soi, c'est pas très grave, c'est pas le plus important dans ce type de jeu, mais ça ajoute du contexte à nos actions dans le jeu, donc j'espère qu'il en aura une quand même. La démo te lâche dans un long niveau maritime bien sympa. Et là, c'est la fête, parce que tu peux expérimenter la moveset du Rascal. Tu cours, tu sautes, tu roules en boule à toute vitesse. Oui, c'est du Sonic. Il y a même un speed dash. Le tutoriel te montre les différentes manières de bouger. Mais expérimenter directement dans le niveau, c'est plus fun à mon avis. Ce qui différencie notre Rascal de Sonic, c'est qu'il se déplace surtout dans un espace qui est fait pour prendre de l'élan. Là où Sonic aura plus ou moins un trajet tracé, dans Rolling Rascal, vous aurez une zone plus ouverte et large, avec plusieurs options pour la traverser. Certains chemins seront plus rapides que d'autres, selon le niveau de jeu du joueur. Ça rappelle plus le level design des Sonic 2D, où plus tu prends de la hauteur, plus tu seras rapide. Mais tout comme dans un Sonic 2D, prendre le trajet rapide mettra vos réflexes à rude épreuve. Et une chute peut vous faire perdre un temps considérable. Les niveaux seront parsemés de rampes, de bumpers, de speed boosts comme dans Sonic, qui vous guideront dans la bonne direction. Même si les niveaux paraissent énormes, on ne se sent pas perdu pour autant. Ce qui différencie Rolling Rascal de Sonic au niveau de la moveset, c'est surtout une sorte de coup de pied plongeon plutôt cool. Vous pouvez aussi faire un écrasement de la même manière. Cet écrasement est pas mal parce que, en plus de te faire rebondir vachement haut, t'es directement guidé vers les plateformes en bas. Genre si tu veux rebondir sur un tonneau ou un trampoline, tu seras automatiquement guidé vers cet objet. Enfin la plupart du temps. Il y a des fois où ça marchait pas. Beaucoup de fois où ça marchait pas même. J'espère qu'ils vont corriger ça. Et du coup ce rebond est pas mal utile quand t'es au-dessus d'une pente, t'écrases le sol et bam t'es projeté vers l'avant. Tu peux aussi prendre le contrôle des ennemis. Dans ce niveau, on ne peut en contrôler que 3 types, et encore il y en a un, c'est le même robot, sauf que plutôt que de tirer, tu frappes. Ça peut servir à casser des caisses, pour récupérer des pièces, ou ouvrir des cages avec des bumpers enfermés. Je sais pas s'il y a des zones cachées qui peuvent être découvertes de cette manière. Et à mon avis, dans le jeu final, il y en aura. Le troisième, c'est un robot bolide. Un robolide. Oui. Qui rappelle un peu l'obus à pattes de Rayman. Perso, avec la géométrie du niveau, j'ai pas réellement réussi à le manier correctement sans me prendre un mur dans la seconde. Dans cette démo, vous avez aussi accès à un mode multi qui lag pas mal, on va pas se mentir. Dans ce mode, vous ferez la course avec des gens pour atteindre le plus rapidement la ligne d'arrivée d'un parcours d'obstacles. Il y en a plusieurs avec différents niveaux de difficulté. Perso, je veux pas flex, mais je suis arrivé quatrième dans ce niveau. En ayant à peine testé le jeu. Mais ouais. Mais pour me prouver que j'étais un réel maître des jeux de plateforme à vitesse, j'ai décidé de tester le parcours le plus difficile. Ça prouvera que je suis réellement le maître en la matière. Je suis allé dans le Time Attack, sélectionné le niveau le plus dur, et après le décompte, j'étais parti. Le premier objectif était de ne pas tomber. Et ben ça s'est loupé, on recommence. Donc après avoir passé cette zone assez simple, je continue de gravir ce parcours. C'est pas compliqué, je me disais. En réussissant chaque étape sans trop de complications, il arrive à ce moment. Chaque tentative était un échec. Je gravissais cette pente, en me disant que cette fois ce serait la bonne. Et échec après échec, j'avais enfin réussi à appuyer sur Start et quitter le niveau. Ouais, j'ai pas de patience, et alors? Voilà, c'était la présentation de Rolling Rascal. Je pense que c'est un jeu qui va faire parler de lui à sa sortie. Est-ce que ce sera le Sonic Killer? Non, absolument pas. Sonic s'en sort très bien depuis des années, en sortant des jeux avec des scores qui feraient pâlir de jalousie les meilleures montagnes russes. Oh my God. Mais ça c'est pas grave, parce que les gens aiment Sonic. Et parfois ils aiment un peu trop Sonic. On n'a pas encore de date de sortie pour le jeu, mais les développeurs sont optimistes pour une sortie en 2026. Purée, c'est long. Si le projet vous intéresse et que vous avez moyen de le soutenir pour peut-être accélérer la date de sortie, vous pouvez cliquer le lien en description pour vous rendre directement sur le Kickstarter. Non, je ne suis pas sponsorisé par eux, mais j'aurais bien aimé, bien sûr. C'est beau de voir un projet de passionné comme celui-ci, surtout quand la qualité est de la partie. Ça me fait penser à Bomb Rush Cyberpunk qui reprend la formule Jet Set Radio à la perfection et en l'améliorant. Et j'espère que Rolling Rascal fera la même chose avec Sonic, mais je pense que c'est bien parti pour. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur Bomb Rush Cyberpunk, dites-le moi, parce que c'est vraiment devenu l'un de mes jeux préférés ever. C'est mon GOTY 2023. Au-dessus de Tears of the Kingdom même. Mais bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Laisse un pouce si t'as aimé. Je suis content que vous ayez choisi cette vidéo plutôt que toutes les autres disponibles sur cette plateforme. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Faites attention à vous, prenez soin de vous. C'était Mox, bisous.